Bonjour à tous, je suis Didier Navarrete, formateur professionnel en MAO depuis 2010 sur le site www.tuto-mao-guitare.com. Très heureux de vous retrouver pour un nouveau tutoriel sur Ableton Live 10 et sur un sujet particulier qui est les nouveaux raccourcis clavier. On appelle ça aussi les shortcuts et il y en a pas mal dans Ableton Live 10. Alors le premier, c'est pour afficher ou cacher l'automation. Donc là, vous voyez que j'ai un fichier audio. Eh bien, en appuyant sur le raccourci clavier A, j'affiche mon automation rajoutée à mes best synths. Et pour l'enlever de nouveau, je rappuie sur 1. J'appuie sur 2 pour ma deuxième collection, best drums. 3, 4, 5, 6 et 7. Un raccourci clavier dont je ne peux pas me passer, c'est de, par exemple, sélectionner ma région ne se déplace pas, c'est l'audio à l'intérieur qui se déplace. Voici mes principaux raccourcis clavier que j'utilise un maximum.